Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte concernant des intrusions extraterrestres malveillantes depuis 2008. Je m'intéresse particulièrement, en tant qu'ancien contacté par deux groupes extraterrestres belligérants, dont je parle abondamment dans mes publications sur Internet, et mon dernier blog « Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres » OLCPIE, je m'intéresse particulièrement au phénomène des « crop circles ».« Crop circles », cela signifie « cercle de culture » en anglais. On le remplace volontiers en français par le terme « agroglyphe ». Alors, ce ne sont pas toujours des cercles, et ce sont très souvent des figures très complexes qui interpellent le spectateur quant à son origine. Cette origine est très débattue, et récemment, une équipe de faussaires a réalisé, avec assez d'habileté, un crop circle en Moselle à Saraltrauf. Et cette équipe, dirigée par un spécialiste en astronomie astronomique, met en avant particulièrement le rapport rédigé par Gilles Munch, publié sur le site internet du GEPAN, le rapport VK. VK signifie « voyage d'études des cercles anglais ». Gilles Munch s'est rendu au Royaume-Uni de 1989 à 1992 pour étudier le phénomène des crop circles dont il était beaucoup question outre-Manche. Il a décidé d'élaborer un modèle. Et il en arrive à une hypothèse de travail, une seule. Les crop circles sont l'œuvre d'une ou de plusieurs équipes, d'au moins deux personnes chacune, qui agissent de concert ou indépendamment, généralement de nuit et avec des moyens logistiques réduits. Voici cette page où se trouve cette hypothèse. S'en suivent plusieurs principes pour tenter de tester cette hypothèse sur le terrain. Alors, je vais discuter ces principes. Mais je souhaite dire au préalable que j'ai moi-même une formation scientifique. Je suis docteur de l'Université Louis Pasteur à Strasbourg en biologie moléculaire et cellulaire. Et dans ce cadre, j'ai eu la possibilité de travailler à l'Institut de biologie moléculaire des plantes du CNRS à Strasbourg, à l'Institut national de la recherche agronomique à Colmar, et pour le groupement champenois d'exploitation viticole à Reims, à Épernay, près de Reims. Alors, je souhaite dire que j'ai une formation scientifique, mais que j'ai aussi voulu rendre mes attestations de diplôme pour protester dans le cadre de cette affaire, mais je ne veux pas détailler cela ici, je l'ai fait dans une autre vidéo. Voilà donc très simplement présenté mes observations sur ce rapport VK. Tout d'abord, je constate que dans son modèle, M. Munch ne fait pas de discussion avec l'hypothèse extraterrestre. Ça, c'est un manque très grave dans une étude comme celle-là. C'est inadmissible. Alors, il n'y a pas de base d'études physiques et biophysiques, etc. non plus. C'est un manque également très important. Pas d'études des sols,
pas l'étude des plantes, donc pas l'étude de rayonnement éventuel. On a besoin de données beaucoup plus importantes pour tester précisément l'origine éventuelle extraterrestre ou autre avec des technologies que nous ne connaissons pas. Alors, le premier principe évoqué par Gilles Munch est la visibilité. Je vous engage à lire le rapport VK pour bien comprendre aussi ma démonstration parce que je souhaite aller vite. Cette visibilité voulue selon M. Munch, et sur ce point il a raison, par d'éventuels auteurs humains de crop circles, elle est la même concernant l'hypothèse extraterrestre. Car, je l'ai découvert, et je le répète, les crop circles sont très souvent, pas toujours quand ils sont d'origine humaine, le fait d'une campagne de propagande de deux groupes extraterrestres belligérants qui font savoir à la population mondiale leur existence en contournant le refus des gouvernements du monde à déclarer l'existence des intrus extraterrestres à la population mondiale. Donc, dans le cadre de cette campagne, ces extraterrestres cherchent à le faire savoir. Donc ils ne vont pas les cacher, leurs crop circles. Ils vont les faire près des routes, sur des collines, etc. Ce critère-là, qui est le premier cité, n'est pas retenable pour distinguer les crop circles humains des crop circles d'origine extraterrestre. Le principe d'économie ou de moindre effort. C'est une opération risquée car illégale. C'est une opération fatigante. Alors, ces observations sont intéressantes pour expliquer des crop circles d'origine humaine, mais elles ne permettent pas non plus de distinguer à coup sûr qu'un crop circle n'est pas d'origine extraterrestre. Car les extraterrestres, dans le cadre de leurs opérations de contact avec l'humanité, ne veulent pas mettre par terre trop de plantes qui fâchent beaucoup d'agriculteurs. Donc, ils choisissent une position d'équilibre qui consiste à faire quelques crop circles très complexes et des crop circles qui marquent leur présence sans trop heurter les agriculteurs. D'autre part, des crop circles précisément très complexes, je viens de le dire, ont été faits. Donc, ce n'est pas systématique d'observer des crop circles ergonomiques ou économiques ou du moindre effort. Alors, cette complexité est parfois très difficile à reproduire par des êtres humains, à tel point que je ne connais pas pour le moment de groupe humain qui a tenu le défi de reproduire les crop circles les plus complexes comme celui de Milkiel avec une excellente qualité d'imitation. Ils n'ont pas été revendiqués non plus certains crop circles, pas de témoins, pas d'interpellation. Je rappelle enfin que dans le colza en fleurs, certains éléments sont isolés à côté de certains crop circles, certains éléments des crop circles, comme des points, et les fleurs photographiées vues d'avion d'assez près ne semblent pas avoir été écrasées par des personnes qui ont marché dans le champ pour réaliser ces points. Alors, le troisième principe émis par M. Munch, c'est la limitation. Des règles de géométrie pratique sous-tendent la réalisation des crop circles d'origine humaine. Depuis,
De nombreux crop circles très complexes, avec des géométries très difficiles à reproduire, ont été observés. Pour les extraterrestres, il n'y a pas de limite de cet ordre, et c'est ce qu'ils cherchent à faire savoir. Le point numéro 4, le point d'optimisme ou de naïveté. Si je l'ai bien compris, il n'est pas si simple à comprendre, les auteurs d'origine humaine compteraient sur la naïveté de l'observateur, ou eux-mêmes seraient naïfs, au point que leurs traces laissées dans les champs, même discrètement, seraient peu visibles, même par les chercheurs attentifs. Je souhaite dire que quand des extraterrestres font des crop circles, leur technologie ne laisse pas de traces. Il ne faudrait pas en déduire que parce qu'on ne voit pas de traces, ce sont des humains qui ont été très habiles pour nous dissimuler leur protocole. Dans ce cas-là, on ne peut pas savoir facilement, selon ce critère. La faillibilité, le cinquième point. Les machines des extraterrestres, je l'ai observé, sont plus ou moins précises. Ce n'est pas parce qu'on observe une barbe, ici ou là, un petit défaut, que ce n'est pas d'origine extraterrestre. Et d'autre part, les extraterrestres jouent aussi avec le mot anglais « fake » pour l'insulte, que je ne vais pas dire, quand ils sont en colère entre eux ou après certains humains qui viennent nier sur certains sites internet comme Crop Circle Connector l'origine extraterrestre de leurs crop circles les plus complexes. Alors quand ils en ont ras la casquette, pour parler familièrement, ils peuvent se défouler et faire des fakes qui peuvent passer pour des crop circles d'origine humaine. Là encore, apporter la preuve définitive que c'est d'origine humaine, ceux qui prétendent cela. Point 6, le feedback. Les IT réagissent aussi au comportement des humains. Et donc, comme des crop circuit makers qui auraient tendance à faire de la surenchère, comme le dit M. Munch, cela est vrai, et à en faire des plus compliqués, des plus beaux, des plus grands. J'approuve cela. Les extraterrestres font de même. Ils font aussi de la surenchère. Et ils font de la surenchère aussi parce qu'il y a un rapport VK. Et que ce rapport VK, ils le trouvent, je me permets de le dire, ridicule. Point 7. Limitation. Des IT copie aussi des formes humaines, très souvent, parce que cela rapproche, mais en même temps, rapproche au niveau du contact, au niveau de l'affect. On a plus facilement envie de rencontrer des étrangers extraterrestres qui connaissent déjà des choses de nos civilisations, plutôt que des personnes qui ne connaissent presque rien et qui nous intriguent énormément avec des choses que l'on ne comprend pas. Cela inquiète, cela fait peur. Ils en font aussi parfois, mais ils se servent de leurs connaissances sur nous et ils montrent qu'ils ont des connaissances sur nous. Donc, de tels éléments dans des crop circles ne prouvent pas toujours que ces crop circles sont d'origine humaine, même des imitations publicitaires. Attention à cela. Alors, le point 8, l'indiscernabilité. Je considère que là, le rapport VK manque de recul et d'approfondissement scientifique. Précisément, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui peinent à discerner des crop circles d'origine extraterrestre ou humaine, dans certains cas, dit M. Munch, qu'il n'y a pas de phénomène extraterrestre. Et je dirais que plus on peine à le faire, plus la probabilité qu'un crop circle
la plus probabilité forte qu'un crop circle soit d'origine extraterrestre. Alors, je voudrais faire aussi ces observations pour terminer. Il n'y a pas de rapport nouveau depuis 1992, c'est-à-dire aucune actualisation des données d'observation et de révision donc de la pensée ici émise par le rédacteur du rapport VK à partir de tout ce qui a été dit d'intéressant dans ce domaine et vu d'important dans ce domaine. Donc, ce rapport est comme une sorte de vieux grimoire du Moyen-Âge dont on se servirait pour en apprendre beaucoup plus sur les mouvements de la Lune. Alors, rien sur les contactés depuis. Il y a des contactés, dont moi-même, qui ont apporté des preuves que des extraterrestres répondent à certains messages présentés sur Internet par des crop circles. Et j'ai encore montré cela cette année, tout en ne m'adressant pas à eux directement le plus souvent, mais parce que certains ont voulu accompagner quand même mes informations publiées sur Crop Circle Connector. Donc allez voir mes vidéos de cet été. Rien de précis sur l'information, car l'information dont les crop circles, particulièrement ceux de ces deux dernières décennies, donc après le rapport VK, est très importante, très riche. On apprend que des extraterrestres nous font savoir que les crop circles sont d'origine extraterrestre. On apprend également des choses en rapport avec certains contactés, comme Robert Vandenbroek, qui reçoit des messages télépathiques aux Pays-Bas. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous encourage à faire votre propre réflexion, car ce rapport VK, personnellement, je ne m'en servirai pas. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.